Je ne suis pas de ceux qui disent Ce n'est rien, c'est une femme qui se noie. Je dis que c'est beaucoup, et ce sexe vaut bien que nous le regrettions puisqu'il fait notre joie. Ce que j'avance ici n'est point hors de propos, puisqu'il s'agit, en cette fable, d'une femme qui dans les flots avait fini ses jours par un sort déplorable. Son époux en cherchait le corps, pour lui rendre en cette aventure les honneurs de la sépulture. Il arriva que sur les bords du fleuve, hauteur de sa disgrâce, des gens se promenaient ignorant l'accident. Ce mari donc, leur demandant s'il n'avait de sa femme aperçu nulle trace. Nulle, reprit l'un d'eux, mais cherchez-la plus bas, suivez le fil de la rivière. Un autre repartit Non, ne le suivez pas, rebroussez plutôt en arrière. Quelle que soit la pente et l'inclinaison dont l'eau, par sa course, l'emporte, l'esprit de contradiction l'aura fait flotter d'autre sorte. Cet homme se raillait assez hors de saison. Quant à l'humeur contredisante, je ne sais s'il avait raison. Mais que cette humeur soit ou non le défaut du sexe et sa pente, quiconque avec elle naîtra, sans faute avec elle mourra, et jusqu'au bout contredira. Et s'il le peut, encore par-delà.